Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire une petite playlist pour mes frérots, d'accord, qui n'ont pas trop le temps, qui veulent faire du sport, qui veulent se muscler, qui veulent progresser. On va faire 3 jours, ok? Un programme de 3 jours. Comme ça, voilà. Dans ta semaine, tu te mets 3 jours, tu fais ça, t'es bien, tu progresses. Bien évidemment, tu peux prendre un jour où il y a des muscles que tu aimes bien et faire autre chose à côté, ou tu peux faire 3 jours la même chose, mais espace bien, mettons un jour de repos. Et aujourd'hui, on va se faire pec, épaules et triceps, histoire d'être bien. Ok, donc prends une bouteille d'eau, on fait ça aux haltères et on y va. Ok, premier exercice, on va faire du développé couché unilatéral. On a déjà fait ça ensemble, ok? Mais voilà, moi je t'ai mal, je tu progresses au niveau des pecs, c'est important. Donc tu vas prendre un banc, ou si t'as pas de banc, tu peux faire ça au sol, bien évidemment. Hop, on prend les haltères. Hop, on commence comme ça, d'accord? On en fait 10 dans un sens, 10 dans l'autre sens, et 10 avec les deux, d'accord? Hop, on va faire ça 4 fois avec 1 minute 30 de repos. Entre 1 minute et 1 minute 30. Mais j'essaie de prendre 1 minute 30 pour être bien, sachant que voilà, à côté, comme tu le sais, je suis en formation sportive où je fais du sport tous les jours et je suis rincé. Donc, j'aurai un temps de repos normal. Allez, on y va, c'est parti. Mouvement de départ, on met les deux bras en haut. Et on s'apprête à baisser un bras. J'aimerais commencer avec la droite. Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, ok. On pose les haltères. On met le temps de repos. Et on est bon. En ce moment, comme tu le sais, voilà, je suis en formation sportive. Et je suis content de faire ce programme-là avec toi, comme ça me permet de te parler un peu de cette formation, un peu plus en détail. Franchement, c'est dur. C'est dur. Ce que je fais là, c'est incroyable. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo où je te parlais un peu de ma première semaine. C'est trop, c'est trop. Le cardio qu'on se mange, c'est incroyable. Moi, je suis pas cardio. Je suis pas cardio. Si tu t'y connais un peu en VMA, j'ai calculé ma VMA la première semaine. Je suis à 12,1. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. 12,1, c'est une VMA pourrie. C'est limite, tu cours même pas quand tu as 12,1. C'est une VMA de marche rapide. C'est trop. Mais voilà, on fait des exercices pour évoluer, pour monter, on fera les choses bien. 1 minute 12, on part dans 20 secondes, attention. Parce que voilà, on raconte les histoires, c'est bien, mais on surveille le temps de repos, c'est important. Le temps de repos, ça nous fait évoluer. Hop, 24, 25, on va bientôt partir. On prépare les haltères maintenant. J'ai pas mis mon trait, mais tout à l'heure, je vais mettre mon trait. Et on part pour la deuxième série. Allez, on en fait 4. Hop! On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, allez, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Hop. Pose les haltères.
On les lâche pas, c'est important. Je mets mon temps de repos. Hop, on est à 2 traits. Alors ouais, comme je te disais, franchement ma VMA elle est pourrie. Mais on fait des choses bien pour améliorer notre VMA. Par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti sur des tapis de course. On a mis une vitesse, on a mis 13, enfin, moi j'ai mis 13,9 ou 13,8, je sais plus j'ai mis combien. On a couru 30 secondes. Après, on s'est arrêté 30 secondes. Après, on a recouru 30 secondes. Après, on s'est arrêté 30 secondes. On a fait ça pendant au moins 7, 8 fois. J'étais KO, j'étais mort. À un moment, je restais plus longtemps, tu vois, 30 secondes. Le coach disait, allez, allez, on y va. Je lui disais, coach, je suis mort. Il me disait, allez, allez. Après, je courais, j'étais fatigué. Mais j'ai tenu, ça va, je suis content. Quelquefois, je suis resté 40 secondes, 50 secondes. Mais je suis reparti, d'accord? C'est comme toi, quand je fais mes programmes, si tu restes un peu plus longtemps en repos, ben, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu valides ta série. Si tu fais avec moi, si tu peux me suivre, c'est pas grave. Mais repose-toi, d'accord? Et après, tu valides, c'est important. Mais là, comme on fait 1 minute 30 ensemble, normalement, tu dois valider. D'ailleurs, il est 1h25, on reprend les haltères et on part pour la troisième série. Allez, on y va. Hop, hop, allez, c'est parti. Hop, hop, position de départ et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il en reste une et on aura validé le premier exo. Je mets le temps de repos. Troisième trait. On en fait 4 pour être bien. Mais ouais, les entraînements là-bas que je fais, c'est beaucoup cardio. Beaucoup, beaucoup cardio. Il y a un peu de renforcement musculaire au niveau des jambes. D'ailleurs, j'ai pris un peu des jambes. Là, il y a une vidéo que j'ai fait, renforcement musculaire pec épaule sur ma chaîne. Je vois au niveau de mes ischio-jambiers que j'ai vraiment pris. Hein. On commence à avoir une petite boule. C'est bien, d'accord? C'est bien, on va continuer à prendre. C'est important parce que je trace très, très vite au niveau des jambes. Étant un ancien footballeur, très bon footballeur, d'accord? Alors là, on peut dire que mes jambes, je les ai tracées grâce à ce sport, clairement. N'oubliez pas de boire. 3 gorgées, 2, 3, pas plus, pour être bien. Et voilà. Ouh. D'ailleurs, merci à tous vos commentaires hein, sur les programmes de sport. Beaucoup de gens suivent, beaucoup de gens ont des sensations. Ça fait vraiment plaisir. En plus, j'hésitais à faire des programmes où je parlais. Hein, parce que je me disais peut-être que c'est chiant de m'entendre à chaque fois dire les mêmes conneries. Mais non, ça vous fait rien du tout. Donc, on va continuer. Hein. On repart, c'est parti pour la dernière. Hop. Prends deux haltères. Et on y va. Allez, hop. Commence en haut, position de départ. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est bon. Je pose les haltères tranquillement. Hop. Je mets mon temps de repos, mon trait. Bon, là, on part sur 2 ou 3 minutes de repos. Personnellement, je vais prendre 3 minutes de repos
et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va tout simplement faire du développé couché en prise serrée cette fois-ci, qui va bosser le centre des pecs, mais un peu les triceps. Parce que oui, aujourd'hui, c'est pec, épaule, triceps. Le développé couché de base sollicite les épaules un tout petit peu et les pectoraux. Là, on va solliciter les pectoraux et les triceps. Donc, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va prendre les haltères, hop, on va les rapprocher comme ça. On va compter 1, 2, hop. 1, 2, hop, ok. Et on va se faire 4 fois 10 répétitions. Ok, repos, 1 minute 30. Donc, prépare-toi bien, on va y aller. Bien entendu, c'est un mouvement un peu difficile. Donc, je te laisserai jauger le poids et les charges que tu vas prendre. Bien évidemment, moi, je prends des charges plus légères quand je fais des programmes avec toi. Sinon, je ne pourrais pas compter, bien évidemment. Mais toi, prends des charges de travail efficaces, ok? Donc, hop, on y va. On se place tranquillement. On rapproche les haltères un tout petit peu. Voir comment je suis. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Hop, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, les haltères ne touchent pas le ventre, 1, 2, 8, on se repose pas, on reste sous tension, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok, pause, délicatement, on met le temps de repos, un petit trait. Et ouais, on n'a pas fait beaucoup de muscu à la formation, il y a une salle de muscu, on n'a pas fait beaucoup. On a fait vraiment, vraiment du renforcement musculaire en poids de corps, mais dans la salle de muscu, il me semble qu'on a fait juste ça le premier jour. Je sais qu'on a fait de la muscu juste après avoir fait un circuit cardio intensif, tout le monde était KO, personnellement. Sauf moi, parce qu'en fait, moi je t'explique, moi j'ai une endurance musculaire de fou. Ça veut dire que tu vas me dire de courir, je serai KO, ok? Je serai mort, je vais pleurer, je serai couché, je peux rien faire. Par contre, tu vas me dire de courir, de faire des sprints, de faire tout ce que tu veux. Mais après, tu vas me dire de faire des pompes, de faire des squats, de faire des fentes, de faire des abdos, et de faire des tractions et de soulever des poids, ça, je vais te le faire sans être fatigué. C'est incroyable. En fait, j'ai tellement bossé en musculation, tellement bossé mon endurance musculaire que je suis quasiment infatigable et je remercie la musculation pour ça. Mais je ne suis pas complet. Il faut que je bosse mon endurance du cardiovasculaire. Allez, 1 minute 30, on y va, on se replace, ça passe vite. Mais c'est comme ça, c'est parce qu'on bosse. Allez, on y va, hop, mouvement de départ, haltère en bas qui touche pas le ventre. Allez, on y va, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ouais. On est bien. On est bien. On est bien pour le moment. Hop, temps de repos. Tout est cool. 2 sur 4. C'est tranquille. Je vais boire un peu d'eau. L'eau, c'est important. Et ouais, je te parlais de mon endurance. Ouais, l'endurance cardiovasculaire, faut vraiment que je le bosse. Faut vraiment, vraiment que je le bosse. Mais avec tout ce qu'on fait avec les coachs, le travail qu'ils font, c'est incroyable. Même le coach, je l'ai remercié. Je lui dis franchement, tu sais, parfois je fais le con, je rigole un peu et tout. Mais je me donne à fond dans les épreuves, dans les cours. J'essaye vraiment de me donner à fond parce que moi, je me vois comme le plus faible en endurance.
Je sais qu'il y en a, ils sont un peu plus gros que moi, un peu plus épais que moi, qu'ils ont un peu plus de mal. Mais moi, je me dis, je suis pas dans le top 5, tu vois. Donc, pour moi, je suis le dernier. Donc, quand on fait un exercice ou en cours, et on se repose, tu sais, on fait quoi? Enfin, tu sais, moi, je fais quoi? Et je vais se repose. Moi, je continue à courir. D'accord? Je continue à courir. Ça veut dire qu'on fait des sprints, on se repose, moi je trottine, c'est comme ça que je me repose. Peut-être qu'après je serai encore plus fatigué, mais c'est pas grave. Mon corps il sait que là, il va avoir mal. J'ai pas le choix les gars, d'accord? J'ai pas le choix, comme là, on a une 27, on n'a pas le choix. On va repartir pour la troisième série. Et on va faire ça bien. Allez, c'est parti. Hop, on y va. Haltère vers le bas, ça touche pas le ventre. Et on y va. Une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis mon temps de repos. Mon troisième trait. Comme je te l'ai dit, j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Malheureusement, je dois bosser plus dur. Tu sais, moi parfois j'ai beaucoup de phrases de il faut se dépasser, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est facile à dire, d'accord? C'est facile à dire. Et ce que j'aime, c'est que voilà, je t'ai proposé beaucoup de programmes sur cette chaîne. Beaucoup de programmes, beaucoup de contenu. D'accord? Et si tu es là, tu suis ce qu'on fait ensemble. Je fais partie des gens qui regardent mes programmes et qui m'écoutent presque quotidiennement dans les programmes. Bah, toi qui m'envoies des messages de remerciements, de force et tout, je pense à tout ce que tu m'envoies quand moi je suis en train de souffrir dans mon cardio, dans la formation, et je me dis que voilà, tu motives des personnes. D'accord? Tu motives beaucoup de personnes. Donc toi, montre ce putain d'exemple. Montre-leur, prouve-leur, d'accord? Ils font des efforts pour toi, fais des efforts pour eux. C'est important. La motivation, ça se transmet, ça se partage. D'accord? Et j'essaye d'aller loin et de me donner à fond. Et j'irai loin, je me donnerai à fond. J'ai 3 mois pour avoir un putain de cardio et pour valider ces épreuves. Et je vais le faire, ok? Je vais le faire. Même si je foire mon entretien oral, c'est pas grave, je veux tout tuer dans le physique. Et là, on repart pour la dernière série. C'est parti. Allez, hop. On respecte toujours une 30 de repos. Hein. On a fait 0 écart. C'est parti. Hop. Position en bas et on y va. Hop. 1, 2. 2. 1, 2. 3. 1, 2. 4. 1, 2. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, et 10. Ok. Oh. Faut que je resserre mon disque parce que je commence à partir avec le truc de serrage. 4 barres. On est bien. Hop, on met le temps de repos. Bon, moi, je vais prendre 3 minutes de repos. Tu peux prendre 2 minutes de repos, peu importe. Et on passe au troisième exercice. C'est parti. Troisième exercice, ouais, là, on rentre dans la cour des grands. Un exercice qui va te faire mal. On va bosser les triceps avec l'extension triceps ou deux haltères. Je te montre le mouvement. Hop, tu prends tes deux haltères. Je me mets un peu de côté, comme ça tu vas voir le mouvement. Hop. Position de départ, t'es en haut. Ok. Et tu fais ça, tu ramènes tes haltères. C'est que les avant-bras qui bougent. Et tu montes, ok. Tu descends. Et tu montes. C'est un exercice qu'on a déjà fait ensemble, d'accord. Si tu suis mes programmes. Donc, normalement tu sais le faire. Jauge avant, essaye de le faire avec une charge légère ou que avec les barres d'haltères, d'accord? Essaye de faire
vois si tu arrives à faire ce mouvement. Et après, voilà, adapte les poids. C'est important. On va faire 4 fois 10 répétitions. Hop, je te laisse préparer tranquillement. Et on y va. Allez, hop. Position de départ en haut. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. On baisse. Hop, 1. Ouais. On baisse. Hop, 2. Allez. 3. Ouais. 4. 5. 6. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Ouh. Je mets temps de repos. Et le trait. Et je resserre mes haltères. Parce que si ça tombe sur ma tête, c'est pas bon. Ouh. Là, ce qui est bien, c'est que là, je suis en week-end. Tu vois, c'est pour ça que je te fais ce programme. Maintenant. D'ailleurs, je vais voir si je vais pas t'en enchaîner plusieurs. Parce que le truc, c'est que te faire un programme juste après la formation, c'est pas possible. Clairement, en fait, juste après la formation et le lendemain, j'ai formation, c'est pas possible. Là, on a couru sur tapis et tout. Je te fais le programme, je suis bien, ok? Je sais que demain, je dors, je me réveille pas. Je suis tranquille, ok? Mais j'ai un rythme, il est incroyable. Je vais voir si... je vais te faire des petites séances fast, d'accord? Des séances de 10 fois 10 reps sur un exercice. Par exemple, 10 fois 10 reps de développé couché avec moi. Ou 10 fois 10 reps de curl biceps avec moi. Ou 10 fois 10 reps de dips avec moi. Ça peut être cool. C'est des petites vidéos simples, rapides et efficaces à faire. On fait ça ensemble, tu vois. Si par exemple, tu fais une séance fast, tu sais pas quoi faire. Tu te fais un 10 fois 10 reps avec Dams et on est bien. J'essaie d'en reparler dans une autre vidéo un peu plus calme, un peu plus posée. Et je vais attendre ton avis. Allez, on part. 1:33. J'ai débordé un peu, mais on va se rattraper. Allez, on y va. Hop, position de départ. C'est parti. 1, 2, allez. 3, c'est facile, allez. 4, c'est comme ça qu'on bosse. 5, 6, 7, ouais. 8, 9 et 10. On a 2. On est très très bien. Tu vois, un programme, ça se fait comme ça. Un vrai programme de musculation. Exercice, temps de repos, exercice. Temps de repos, exercice, temps de repos. Tu vois, en salle de sport, quand je vois les autres s'entraîner, très peu de personnes font ça. Très peu de personnes ont leur chrono. Mettent un temps de repos et repartent. En général, les gens ils vont à la salle, ils poussent, ils attendent, ils poussent, ils attendent. Or que normalement, non, tu veux des résultats vraiment rapides et tout. Temps de repos, c'est important. Même si il y a la bouffe et tout, temps de repos, très important. Ok? Les charges aussi, mettre des charges que tu maîtrises, pas trop lourdes ni trop légères. Ok? Comme ça, on va loin. Ouh. Mais ouais, j'ai hâte de voir à quoi je ressemblais quand je commençais à perdre un peu de gras là. Parce que normalement, au risque de tracer, ça va être bien. Ok? Mais j'ai vraiment hâte. Oh, on arrive à 25. On va repartir hein, pour la troisième. Allez, c'est parti. C'est comme ça. Un muscu. C'est comme ça. Allez. Hop. On se place bien. On y va. 1. Allez. 2. 3.
4 pour les triceps, la plus grosse partie des bras. 5. Allez. 6. 7. Faut pas lâcher. 8. 9. Et 10. Très bien. Très très bien. Très très bien. Très très bien. Très très bien. Temps de repos. On fait ça bien. Et hop, 3. Il n'en manque une. Apprenez tranquille, tu vois. Juste une. Une seule. Après, c'est fini. Enfin, après, c'est fini. Après, ça, c'est fini. Ah, mais ouais. Mais ouais, mais ouais. Le retour des programmes de Dams. Sinon, ouais, on est en... Non, 2021, on arrive début 2022. Bon, si j'avais fait un peu plus de vidéos, je serais arrivé à 10K d'abonnés, d'accord? À l'heure actuelle, je suis pas encore à 10K. Je sais qu'en 2022, on va arriver à 10K d'abonnés. 2022, je compte vraiment focus les programmes de musculation. Je sais que ça me rapporte beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui donnent de la force, beaucoup d'abonnés et tout, donc... On va faire des choses qui marchent, bien évidemment. Faire aussi des séances avec les frérots, les potos. Mais là, je focus les programmes. Comme je t'ai dit, les programmes cool, chill. Parce que je sais qu'après ma formation, je peux faire un 10x 10 reps avec curl biceps et tout. Si tu veux faire avec moi, tu peux le faire avec moi. Ça peut rentrer dans le cadre de séances de 3 jours, histoire de faire une playlist assez longue et efficace, ok? Ça peut être cool, ça. Une... 26, on part pour la dernière, hop, c'est parti, on fait ça bien, allez, on y va, hop, allez, 1, 2, 3, ouais, 4, ouais, 5, ouais, allez, 6, ouais, 7, ouais, 8, ouais. 9. 10. Ok, on est bon. Oh. On est bon, on est bon, on est bon. Je mets le temps de repos. Je mets mon quatrième trait. Je prends mes 3 minutes de repos respectif et on part pour le quatrième exercice. Quatrième exercice. Exercice triceps aussi qu'on va faire. Qu'on a déjà fait ensemble, on va faire de l'extension de triceps, mais avec un seul haltère cette fois-ci. Je te montre le mouvement. Hop, tu prends ton haltère, tu hop, le rapportes derrière toi. Ok. Tu mets tes deux mains sur la rondelle et tu montes. Ok. Hop. Normalement, tu devrais y arriver. Si un mec pas souple du tout comme moi sait faire cet exercice-là, toi aussi. Tu peux le faire. On va se faire 4 fois 10 répétitions. C'est parti. Hop, position de départ. On se met comme ça. On se met bien. Je te laisse un peu de temps. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, 8, 9 et 10. Bien, temps de repos. Hop, un trait, temps de repos, 1 minute 30. Hein. Tu connais, c'est la base. On part toujours sur notre minute 30. Comme ça, on est bien. Ah. Là, je commence à avoir faim, vraiment. Je commence vraiment à avoir faim, c'est incroyable. Là, tu sais, là, pendant combien de temps? Pendant 2 semaines. L'après-midi, je fais une diète, je suis tranquille. Mais là, les week-ends, c'est chaud, les gars, c'est chaud. Parce que là, c'est le week-end de Noël. Alors je fais cette vidéo, demain c'est le 24, d'accord? Après c'est le 25.
quand je vous dis qu'il y aura un écart, c'est pas un petit écart, c'est un grand écart, tu vois. Il y aura un grand écart niveau nourriture. Même là, j'ai dit au coach, là, lundi, même eux nous ont dit, tu vois, on a un groupe WhatsApp, ils nous ont dit, lundi, ça va être noir, d'accord. Lundi, il faut que ça soit noir. Lundi, on va courir, on va brûler tout ce qu'on a mangé, là. Ça va être compliqué, mais on va faire les choses bien. Hop, on arrive à 1h28, on repart, c'est parti. Et ouais, c'est comme ça qu'on progresse, c'est important. Hop, allez, on se place bien. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Tu vois, c'est relativement rapide. Mais le plus important, c'est de prendre 5 minutes 30 de repos, histoire d'être bien, pardon, et de se sentir bien. C'est le plus important. Ouh. Oh. Sachant que j'ai quelques cours à réviser aussi. Tu vois, c'est compliqué de te faire des programmes. Hein. C'est compliqué hein, de faire des programmes de sport. Après ça, réviser. Après ça, récupérer de ma séance. C'est compliqué, donc je donne tout dans les jours de repos. D'accord. Sachant qu'il faut que je passe un peu de temps avec madame aussi. Il faut que je réponde aux commentaires des vidéos YouTube. D'ailleurs, au niveau des commentaires YouTube, je vois pas tous vos commentaires maintenant. D'accord. C'est-à-dire que beaucoup de personnes commentent mes anciennes vidéos. Parfois je les commente, parfois je les vois pas. Parfois une semaine après je les vois. Et parfois je les vois plus. En fait c'est trop bizarre. Donc j'essaye de répondre à tout le monde quand je vois. Et si t'as vraiment un truc important à me dire, viens sur mon Instagram, on parle, on échange. Voilà. Des trucs que j'ai pas dit en vidéo, d'accord? Parce que le comment faire une prise de masse et tout, ça j'ai dit. Ok? 1h24. On repart, c'est parti, je connais. Pour la troisième répétition. Allez, on y va. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, 3. Très bien. Il en manque une dernière. Ce qui est bien, c'est que là, il fait hyper froid, tu vois. Mais là, ce que je fais, ça me chauffe. Parce que là, je suis au gage, tu vois. La dernière séance que j'ai fait, renforcement musculaire, pec épaule, je l'ai fait dans la chambre, il faisait trop froid. Là, il fait un peu moins froid, mais je sens que, déjà, quand je parle, il y a de la buée, il y a de la fumée. Ça prouve qu'il fait très froid. Mais là, je suis chaud. Chaud, je suis bien. Et quand je touche mes haltères, ils sont gelés. Sachant que de base, ils étaient à la maison. Hein. Je les ai déplacés, je les ai emmenés là. C'est-à-dire que moi, j'ai chauffé, mais eux, non. Je les prends depuis tout à l'heure, ça les chauffe même pas. C'est incroyable. Même le banc, je le touche, je me fais waouh. Après, voilà, j'ai deux pulls, je suis bien, j'ai pris mes précautions. C'est important. Mais il fait super froid en ce moment. Il fait vraiment super froid. Il faut se motiver pour faire du sport. D'ailleurs, je le précise pas, hein, mais il faut vraiment s'échauffer, ok? Il faut s'échauffer. C'est important. Quand il fait froid, le risque de blessure est vite arrivé. Moi, ce qui est bien, c'est que ça fait depuis 2 semaines où je suis sous complément alimentaire régulièrement, notamment du collagène tous les jours pour tout ce qui est cartilage, articulation. C'est bien, c'est un peu mal, que ce soit au coude et tout, poignet, bam bam. Collagène, c'est bien. Sur mes protéines, comme tu le sais, t'as moins 38% avec le code DAMS en ce moment, ok? Et on repart pour la dernière, hein. Et oui, la dernière, allez, hop, allez, on y va, on fait ça bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ok, ok. On a validé ça.
On a validé ça. J'ai mis mon 3 minutes de repos. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, élévation latérale avec haltère. On va travailler les épaules cette fois-ci avec un de mes exercices préférés pour les épaules, les élévations latérales afin d'avoir des épaules larges. Pour ça, bah, tu connais, tu prends tes haltères, hop, et tu montes. L'idée est de rester bien droit. Moi, il se peut que je vais me balancer un peu parce que j'ai gardé ma charge de travail, mes haltères lourds. 14 kg pour les épaules, c'est très très lourd. Je te conseille de baisser au niveau des charges pour éviter de te blesser. Moi, étant un bodybuilder aguerri, je vais garder ces charges, mais je vais faire attention pour pas me blesser parce que voilà, les épaules, ça reste que fragile. Mais bon, en salle, je suis habitué à faire ça avec 20 kg. Même si que parfois, mettre lourd, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. On va se faire 4 x 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. C'est parti, hop, on prend ses haltères et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Temps de repos, hop, élévation latérale, un petit trait. Comme je le dis à chaque fois, je le dis souvent parce que je vois l'erreur. Je vois aussi les vidéos que tu m'envoies sur Instagram. D'ailleurs, certaines personnes, je vous ai grondé quand vous m'envoyez vos vidéos. Les élévations latérales, on ne dépasse pas cette ligne-là. D'accord? On ne dépasse pas cette ligne. Il y en a qui font des élévations latérales jusqu'à là. Arrêtez de faire ça. Après, vous serez les premiers à me dire, « Dames, j'ai pas d'épaule. » D'accord? Quand tu dépasses cette ligne-là, tu bosses tes trapèzes et tu bosses pas tes épaules, d'accord? C'est les épaules qu'on bosse, pas les trapèzes. Les trapèzes, on va les bosser avec le dos, d'accord? Ne sois pas pressé. Si tu fais ça, c'est parce que tu es trop pressé, d'accord? Mais là, on s'occupe des épaules. C'est le plus important. Et là, je parle fort, ça me déshydrate. C'est pas bon. Et ouais, les gars, chaque chose en son temps, ok? On va tout bosser, on va tout préparer, histoire d'être complet et parfait. C'est important. Oh. Une 15, on est bien, on est vraiment bien. Là, tu vois, là, il est 23h30, incroyable. Normalement, je suis déjà en train de dormir à cette heure-là. Hop, on va repartir. Prends tes haltères, prépare-toi. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est super ça. Hop. Temps de repos. On est à 2, on est bien. On est très très bien. Oh. Ouais, là j'ai un peu mal au cou, un peu mal à la tête aussi. Et ça, c'est plus dû à tout ce que j'ai fait, à toutes mes séances. Mais bon, le week-end il va me faire du bien, il va me faire du bien, il va m'aider à bien me reposer, à bien me ressourcer. C'est important, sachant que je vais bien manger quand même. Hein. Ouais, quand même, je vais bien manger. Hein. Veille de Noël, on va faire les choses bien, ok? C'est important. Et je vais pas mal réfléchir aussi sur toutes les vidéos que je vais te faire pour 2022, d'accord? Parce que 2021, on a fait des bonnes vidéos. Tu m'as envoyé tes transformations, tu m'as envoyé les messages positifs. Mais là, je vais essayer de chercher plus loin, de chercher des programmes beaucoup plus durs. Des programmes beaucoup plus intenses. Je vais penser aux personnes qui me suivent pendant tous les jours, qui progressent avec moi pendant tous les jours, d'accord? Parce que vous, certains programmes commencent à devenir beaucoup trop faciles pour vous, je le vois, et vous, il faut que vous sortez de votre zone de confort. Et moi, je vais vous faire sortir de cette zone de confort, on va faire ça bien, donc vous, soyez prêts en 2022, c'est important. Hop, on va repartir tranquillement. Allez, hop, on y va.
1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ouais, 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 ouais. 3. Temps de repos. Il en manque une et on est bien. Tu vois? Juste une dernière et on a fini. On a fini ce programme. Ok? On va faire ça bien. Et bah normalement, dans la chronologie des choses, après ça, je te fais 2 biceps, normalement. Enfin, dans les programmes de 3 jours. 2 biceps, c'est jambes, abdos. Ok? Comme ça, voilà. Pec, épaule, triceps, dos, biceps, jambes, abdos. Comme ça, t'as pratiquement tous les muscles. Tu fais ça bien et je travaille à peu près tout le corps. Tu vois? Ça, c'est quand t'as pas trop le temps, tu veux faire tous les muscles, t'as pas beaucoup de jours, t'as l'école, tu travailles, tu peux faire du sport 2-3 jours, tu vois. Donc, tu choisis tes jours et tu fais ton programme adapté pour toi. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais que, voilà, j'avais pas trop le temps, je me donnais pas le temps de le faire. Donc, j'ai esquivé aussi beaucoup de fois. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse, d'accord? Faut que je le fasse. On arrive en 2022, je me suis mis des objectifs, j'ai pas tout atteint, j'ai atteint plein de choses, mais pas tout. Donc, faut vraiment que je fasse quelque chose pour les personnes qui ont eu ou trouvé la motivation grâce à mes vidéos. Et là, on va partir parce que il est 1h30. On y va. Hop, hop, c'est la dernière, donc on fait ça bien. Allez, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je m'ai montré quand même. Comme tu me connais si bien, j'aime bien mettre le dernier trait. Et là, on est bien. Si tu refais un autre programme derrière, tu peux. Tu peux faire un programme, par exemple, triceps, ou un autre programme pec. Ou un programme épaule pour être bien, pour être dans la continuité de ce programme-là. Sinon, bah, la séance est terminée pour toi. Ok? Donc, merci d'être resté jusqu'au bout. Si t'as aimé ce programme, bah, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, n'oublie pas. Hein. T'as le code DAMS si tu veux prendre des commentaires. Enfin, prendre des commentaires. Oh là là. Pour tes commandes MyProtein, tu vois, mais moi je suis KO. Et puis voilà, ça aide la chaîne, ça me donne de la force. Et toi, bah, ça te fait progresser, hein, c'est important. Bah, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what in the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'd be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.